one to be left outside the grid. It's all for show, I didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more to see. I just need a break. C'est l'heure de la pause. On a marché nos 7 km, au moins 7 km dans la 8. C'est mieux? Ouais. Ok, ben 8, puis vu qu'on. Ouais, ben on a fait des détours, peut-être même 9, je pense. Ouais. Sur l'île Saint-Bernard, à Châteauguay, à une vingtaine de minutes de Montréal. C'était l'idée de mon amour. Si. Bonne idée. Merci. Yeah! Non, sérieusement, une très belle place. Il y a des marécages, des oiseaux. Des chevreuils. Des castors. Des ravages de chevreuils qui courent. La vois-tu là-bas au loin? Des chevreuils. Là, tu mets une vidéo de chevreuils. C'est ça l'idée. Comprends. On vous montre ça, mais sans joke, les petites passerelles de bois dans le marécage un peu mystérieux, un peu intriguant. Non? Pas d'eau miroitante, rien que ça. Ah, mais il y en a, par exemple. C'est aussi beau. Un peu boiteux, par exemple, en ce début de printemps. Là, on est bien, faisait plus froid tantôt. Là, j'ai faim. Oui, j'ai faim aussi. On mange. Ben, on vous montre ça? À la soupe, c'est une soupe? Ouais! Bienvenue sur l'île Saint-Bernard, mes amis, dans le refuge faunique Marguerite Douville. Une place dont je n'avais jamais entendu parler avant très récemment. Mais comme on est toujours à la recherche de nouvelles aventures et surtout qu'on est toujours à la recherche de belles places pour marcher, bien aussitôt qu'on a découvert cet endroit en faisant quelques recherches, on s'est planifié une journée entière pour venir s'y promener et s'amuser. On est tout proche de Châteauguay, aux abords du lac Saint-Louis, à moins d'une trentaine de minutes de Montréal. Et malgré le fait qu'on est pas mal proche de la grande ville, croyez-moi, ça paraît pas, parce qu'on est vraiment en pleine nature. Et on marche dans un parc dont les richesses naturelles et patrimoniales sont exceptionnelles. Ici, disons que tous nos sens sont mis à contribution. Les odeurs, les couleurs, les sons, surtout les sons, avec les vagues, le vent qui souffle, et les dizaines et dizaines d'oiseaux qui chantent. Alors, on continue notre marche et on vous montre ce qu'on a vu. Essaye de les imiter. Je les vois pas. On fait juste les entendre, mais on les voit pas. En fond, c'est juste des speakers qui ont mis partout. On se voit. On est presque encore l'hiver. Presque. On voit pas que nos bouches sont gelées. Non. Pourtant. Ah, c'est vraiment beau, hein, ce sentier boueux. Je sais pas ce que tu veux dire. Moi, je pense qu'on skie. J'ai besoin de faire du ski fond, mais dans la boue. Mmh. Bon, on arrive aux passerelles. Oh, okay, ça c'est bon, les passerelles. Pourquoi c'était pas ça? Non, mais là, ça compte plus. Oui, j'ai pas la petite ouaille. Ah, c'est hot. Checkez-moi ça comme c'est cool. On découvre différents écosystèmes dans un environnement enchanteur. Et les passerelles de bois? Mm-hmm. Je pense que c'est toujours ce que je préfère dans ce genre d'endroit. Des longues passerelles de bois bien installées dans les marécages. C'est agréable, c'est amusant, c'est très plaisant. Regarde comme on est bien. Ça marche pas, on a dit qu'il faisait froid, là. Le soleil est chaud. Oui, mais il y avait du vent. Il n'y a plus de vent. Les choses changent vite. Ah, quel beau sentier. On quitte la boue, les gens arrivent. Let's go. Passerelle. Let's go. Ça serait très drôle. Je pense qu'on est chanceux d'être venu ici au tout début du printemps. Étant donné que c'est encore froid, il y a du monde, mais pas tant que ça. Ce qui nous permet de profiter pleinement du parc. Parce que sérieusement, deux semaines après notre visite, on a entendu dire que l'achalandage est vraiment devenu problématique pour le coin. Les gens se stationnent un peu n'importe où. Ils font pas attention, ils bloquent les entrées des gens, et les habitants autour du parc commencent vraiment à en avoir assez.
Heureusement pour nous, le timing était bon. Il y avait du monde, mais pas assez pour altérer la qualité de notre passage ici. Alors continuez à nous suivre, on quitte la section des passerelles et on se dirige vers la grande et la petite digue. Vous pensiez que c'était fini, hein? Nope, pas encore. On traverse le verger, à côté du bistrot La Traite, qui offre des produits aux saveurs d'ici et une trentaine de bières de microbrasserie québécoise, en plus de plusieurs cidres et des bons vins. Bon, c'est pas ouvert à cause de la pandémie, mais c'est pas grave. On est habitué que les choses soient fermées. Mais en même temps, ça nous donne plus de temps pour nous promener et monter en haut de la butte, jusqu'au cimetière des Sœurs Grises. Un cimetière qui date de 1896 et restauré en 1948. Et qui domine de pas très haut cette belle portion de l'île Saint-Bernard. Avec le vieux moulin à farine juste à côté, datant de 1688 et converti plus tard en oratoire. Et pour nous, c'est terminé. C'est le temps de tranquillement retourner à la maison. On a vraiment, vraiment apprécié notre visite sur l'île Saint-Bernard. Je vous invite à venir faire un tour en étant, très important, en étant civilisé. Faites attention, il y a des gens qui habitent ici. Donc on reste poli, on reste civilisé, on fait attention à ce qu'on fait. Et en même temps, likez! Partagez, commentez et surtout, continuez à nous suivre en cliquant sur un des liens, surtout celui en bas à gauche qui habituellement est la prochaine aventure, la semaine d'après ou deux semaines d'après, parce que des aventures, on en fait. OK, j'arrête de parler. Salut mes amis, bye bye!